Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va réviser ensemble notre révision du troisième quarter. La première question, true or false, vrai ou faux? Tu vas au stade. Tu vas au stade. La phrase est vraie. Il va manger une pizza. We have any mistakes here or no? Il va manger une pizza. Vrai. Aucune erreur. Nous allons nager. Le verbe nager au futur proche. Here, le verbe manger au futur proche. Il va manger. Nous allons nager. Without mistakes, the sentence is true, so vrai. Je fais de la tennis. True or false? Je fais de la tennis. Cette phrase est fausse. So, on va écrire faux. Je fais du tennis. Tennis est un sport masculin. So, we have to put du. Je vais bien. Je vais bien. No, it's wrong, faux. We say, je vais bien. Le verbe aller au présent, je vais bien. Vous allez aux piscines. Non, c'est faux. Piscine, féminin. So, je vais à la piscine. Je vais à la piscine. Vous allez à la piscine. Ils vont finir leurs devoirs. Le verbe finir est au futur proche. They will finish the homework. La phrase est vraie. Aucune erreur. Without mistakes. Il fait du natation. C'est faux. Elle fait de la natation. De la natation. Je fais de l'escalade. Escalade commence par une voyelle. Comme vous voyez ici. So we have to put D-E-L apostrophe. C'est vrai. Because the sport begins with a vowel. E. Ok, here all the sentences are wrong. We have to write the correct one. Je vais courir. It's faux. We have to write je vais courir. Tu allons jouer au tennis. Le verbe jouer au futur proche. What we have to say. Tu vas jouer. Tennis. On conjugue le verbe aller pour obtenir le futur proche d'un verbe. On conjugue le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. And we add the verb in infinitive. Tu vas jouer au tennis. Il va sauter. Faux. We have to write, il va sauter. Vous allons danser? Non. Vous allez danser. Elle allait nager? Non. Elles vont nager. They will swim. You will play. He will jump. Il va sauter. Vous allez danser. You will dance. Elles vont nager. They will swim. Je vais aux piscines. Faux. Je vais à la piscine. Je vais à la piscine. Because piscine is féminin. So we have to put à la piscine. The same here, it's wrong. Je vais aux plages. Plage féminin. We have to put à la, like piscine.
Ici, une plage. Swimming pool and beach féminin. You have to put here. Sorry. Ok, à la plage. Accent A avec accent normalement. Sorry, one moment. À la plage, d'accord? Nous allons à la parc. Non, c'est faux. Parc masculin. O. We put O for the masculin. Singulier. Au parc. À la for féminin singulier. And O, A-U-X, for plural. And A-L apostrophe, if the place begin with a vowel. Like école. Je vais à l'école. F, it's wrong. Okay. Let's finish. Like here. O, école. We have to put à l'école. Because the place begin with a vowel. A. L'école. Elle va à l'école. D'accord? Ici, on a, we have to choose the correct answer. Tu viens chez moi. Means you come to me or you play with me. Tu viens chez moi. You come to me. The answer is here. The correct one. Ok, after we have, qu'est-ce qu'on va faire? What will we play? What we will do? What will we will watch? What will we buy? Qu'est-ce qu'on va faire? What will we do? Le verbe faire, it's verb to do. Qu'est-ce qu'on va faire? What will we do? On va aller chez Wang à vélo. We will go to state, we will go to Wong by bike, we will go by car, we will watch a movie. We will go to Wong by bike. The answer is B. On va regarder la télé. Le verbe regarder au futur proche. On va regarder la télé. We will watch TV. La télé is abbreviation of la télévision. On va manger des pizzas. Le verbe manger au futur proche. We will eat pizza. Ok. Je peux danser. Je peux, le verbe pouvoir. It's verb to can. I can sing, I can dance, I can play, I can do my homework. Je peux danser means I can dance. Je peux, I can, and danser, verb to dance. Tu vas ou tu vas? Tu vas. Ok. Elle va ou elles vont? Elle va. The answer is A. Il va ou il va? Il avec S, so ils vont. The answer is B. Vous vont ou vous allez? Vous allez. The answer is B. Okay. Yes or no? Lundi, Monday. Yes or no? Yes. Mardi, Wednesday. Yes or no? No. Mardi, Tuesday. Mercredi, Wednesday. Yes. Vendredi, Saturday. No. Let's remember together the days of the week. Les jours de la semaine. Il y a 7 jours dans la semaine. We have 7 days in the week. The first day, lundi, Monday. Mardi, Tuesday. Mercredi, Wednesday. After, jeudi, Thursday. Vendredi, Friday. Samedi, Saturday. Dimanche,
Sunday. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine, the days of the week. Here we have le verbe faire, verb to do. How I say I do? Je fais. Tu fais, you do. Il fait, il and elle, he and she. Il, elle fait, nous faisons. We do. Vous faites. Ils, elles font. They. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Le verbe faire. Je, I, tu, you, il, he, elle, she, nous, we, vous, you, but plural, il and elle, they, il for boys, elle for girls. Okay, what we have here? Elle fait natation. Missing. Elle fait de la natation. Elle fait voler. Elle fait du voler. Je fais du tennis. Vous faites de l'escalade. De la natation, we choose de la because natation is féminin. Voler, we choose du because voler, un sport masculin. Du tennis, sport masculin. Escalade, we choose de L apostrophe because the sport begin with the vowel, E. And tu fais du rugby, du masculin, singulier. Nous faisons du judo, masculin. Je vais à l'école. I go to school. Je vais à l'école. I go to school. École begin with vowel. So we choose a L apostrophe. Elle part aux toilettes. A-U-X. Toilette pluriel. A L apostrophe if the place begin with a vowel. A-U-X if the place pluriel. Elle va au jardin, au masculin singulier, jardin masculin singulier. Nous allons piscine, ok, à la piscine féminin. Place féminin, masculin, pluriel, start with a vowel, ok. Mais au futur proche. We have le verbe courir, verb to run, le verbe nager, verb to swim, le verbe manger, verb to eat, le verbe sauter, verb to jump. If I want to say I will jump, I say je vais courir. You will swim, tu vas nager. We will eat, nous allons manger. Ils vont sauter. They will jump. Okay, here we have la natation. Where is the picture of la natation? Is here. Swimming. Le rugby. Le rugby, American football. Where is it? Le rugby is here. Okay. Le judo. Sport like karate. Where is it? Le judo is here. Bravo. L'escalade. Where is l'escalade? L'escalade is here. Bravo. And after we have le tennis. Le tennis is here. Okay. We say, je fais de la natation. Je fais du rugby. Je fais du judo. Je fais de l'escalade. Je fais du tennis. Comme ça, on a fini notre révision. Si vous avez des questions, j'attends tous vos questions avec un grand plaisir.
Au revoir et à la prochaine fois.